Ces démonstrations militaires des unités spéciales du 32e bataillon témoignent la fin de la formation de ces vaillants soldats. Ceci s'inscrit dans le cadre de la mutualisation de forces entre FARDC et MONUSCO. Les commandants des opérations militaires en Ituri, le lieutenant-général Boyan Kachama Djouni, qui a présidé cette cérémonie, a salué la collaboration entre les deux forces avant d'appeler ses compagnons d'armes à la discipline dans l'accomplissement de leur mission. On parle de tous les gens de mon côté, parce que on connaît les soldats bien entraînés. Cette formation spéciale de ce jeune soldat vient redynamiser la compréhension des opérations afin de sauvegarder les intérêts de l'État à cette période de l'état de siège, a dit le commandant force de la MONUSCO AI en RDC. Allez de l'avant et détermination. Je vous remercie pour votre dévouement et votre travail acharné. Puissiez-vous porter l'esprit des FADC dans tout ce que vous ferez. Tant que membre des FADC, vous portez une responsabilité unique. Vous êtes l'avant-garde de la sécurité de la nation et gardien de la paix et de la stabilité. Tenez que la formation des militaires et la dotation d'équipements modernes sont parmi les piliers de la montée en puissance des forces armées en vue de mettre hors d'état de nuire les ennemis de la paix. Souci ardent du commandant suprême des FARDC de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.